Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance, et puis à très bientôt. Au revoir. Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. C'est le vôtre, Symphorien Balandaï. C'est juste un flash informatif, chers compatriotes, ou un breaking news, comme disent certains. Voilà. Celle qu'on appelle la princesse des Bayékés, Dominique Mounongo, la députée de l'ensemble, elle vient de quitter Moïse Katumbi. Bien sûr, elle dit qu'il reste toujours dans l'ensemble, mais sa démission cache quelque chose, parce que avant de publier sa lettre, elle a fait fuiter un audio. Un audio qu'elle aurait désiré que cet audio n'arrive pas à d'autres oreilles, tel qu'elle le dit. Voilà, celle qui a insulté les Kassaïens qui mangent les champs. Elle vient de démissionner. Cette démission veut dire absolument quelque chose. Ça veut dire que si elle a été trahie par les siens ou les siennes, elle a été trahie, bon, parce qu'elle était présidente des femmes de l'ensemble de Katumbi. Comme elle a été trahie, ça veut dire que ceux qui sont avec elle ne l'aiment pas, ne l'aiment pas du tout. Elle fuite, elle fait fuiter des secrets de ce qui se passe dans l'ensemble. Elle dit que il y a plein de personnes d'ensemble qui passent de l'autre côté, qui sont passées de l'autre côté, qui fréquentent Samalou Kondé, qui touchent de l'argent chez Samalou Kondé. Il y en a qui sont Danny Banza, vous savez, ce conseiller à la présidence qu'on soupçonne qu'il serait le frère de John Numbi, mais qu'il est à la présidence. Elle appelle ça ceux qui sont de l'autre côté. Voilà, ce sont ces termes, chers compatriotes. Bon, à part ça, il y a la fin de la francophonie. La francophonie s'est très bien terminée avec une voix en or, la voix de Ferré Gola, chers compatriotes. Alors, je vous laisse regarder, visionner ces petites vidéo. Voilà. Regardez. Salut la tribu des internautes congolais, c'est John KMB. Elle, si vous vous rappelez très bien, c'est Dominique Mounongo. La princesse Yéke qui ne mange pas les poissons. Nous, les Bayéké, on ne mange pas de poissons. Là, je vous apprends aujourd'hui. Nous, les Bayéké, la famille régnante, on ne peut pas manger de poissons. Madame Dominique Mounongo a fait un voice. C'est quoi appelle sur WhatsApp? Un message vocal. Qu'elle aurait souhaité rester privée avec un proche. Le voice est maintenant public sur les réseaux. Je vais le partager avec vous.
Elle s'est plaint un peu de ce qui s'est passé dans cet ensemble contre la République. Le parti de Moshe Moïse Katumbi. Elle vient de démissionner avec une lettre de démission aujourd'hui, récemment. Je viens avec la panne la pita compemba, dans ton mamé manguke, tout bébé. À toi aussi de réfléchir à ton niveau et demain on réfléchit, on saura s'il faut faire une déclaration, mais malheureusement c'est entre nous qu'il y a un problème. Il y a un problème par rapport à survie. Tu n'as pas suivi le message là de Marie-Claire Tchombé, c'était pas en vain. Parce que Baba Kouetouaba, nos amis avec lesquels nous sommes, Bangiaba Roturière, il m'y a un cours qu'après l'argent, après les maisons, après les Bebatungila, Makaro, comme Marie-Claire disait, Makaro, il est qui, Chauta, il s'en fiche à Kadje. Donc, dans le groupe là, du collectif des femmes leaders katangaises, quand tu vois les autres qui se taisent, elles sont. Sama, c'est notre frère, moi, c'est mon neveu. Mais justement, Dany leur a demandé de faire des choix et de se taire. Donc certaines parmi nous, je ne vais pas les citer encore maintenant, un jour on aura le temps de parler parce que tu les connais. Mais comme tu es loin, tant qu'elles ne parlent plus les pauvres, elles ne peuvent plus parler, elles sont avec sa main chaque mois. Alors dans notre collectif des femmes, des députés Katangé, Kabouelou, deux, trois fois, je suis allé, président, fais une déclaration. Oh non, Dominique, toi, tu es trop. Je dis, en réalité, tu es un fiki. Donc, ils n'osent plus parler. Il y en a parmi nous qui se sont compromis. Et donc c'est maintenant la pauvre Dominique qui est au four, au moulin. Tu vois, j'ai 60 ans, Chantal. Et donc, tu vois, et quand tu te dis, OK, on fait une déclaration, tu vois que les autres blocs, on a en privé, la Nouakouita, comment s'appelle la fille là, Gisèle Ngungwa, celle que j'ai embêtée hier. Nos dates de mi, nous sommes en politique, c'est une question d'intérêt. Maintenant, c'est nous qui sommes aux affaires. Quand on a quoi, pas terrain, il y a un mi, tu vas déstabiliser un ami. Bon, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que là, on parle Katanga? Qui est-ce qu'il est? Qui est-ce qu'il est? Les autres, là, eh bien, Viviane, là, oh non, Bichibalou, Batouné Bachoka. Mais on ne parle plus Katanga? C'est vrai qu'il a monté, qu'il a intérêt personnel, parce que, maman, on a un bafika au pouvoir. Les torts sont partagés. Hein? Moïse n'était pas un saint. Je lui disais depuis le début, je dis, tu es parti trop tôt du PPRD, tu es parti trop tôt. Mouna fouille à Nini, on n'a jamais su que ma fouille il est. Mais entre-temps, tu imagines maintenant, nous qui n'avions rien eu. Bon, moi je supporte parce que je n'avais rien eu, l'Ali gouverneur. Ah, tu es allé oublier, je suis sa tante. Mais il ne s'occupait pas trop de la famille. Hein. Il avait ses amis, les Francis Calombo, comme tu le vois, comme d'habitude. Donc, on était là, mais moi, donc, je continue toujours à me battre, mais dire que, ma chère, que j'ai une maison ou une voiture de Moïse, ou bien qu'un jour il a sorti 50 000 dollars, maman. Kiangé kouy pata. Mais pourtant, tout le monde est convaincu que non, peut-être, il y a un Dieu qu'on n'a pas. Non. Kiangé kouy pata. Bali plus ma cop na Elisa, hein, Zaza Kalasa. Momo bali ma cop ya manfalanga. Mais moi, la pauvre, je suis reléguée à l'aspect visibilité, à l'aspect familial, tu vois, hein. Comment on dit encore, il y a un terme en français pour dire c'est notre fils, ok, valorisant de la chose, mais de là à dire en Banfalanga, il y a un je suis là parce que je tiens à rester intègre comme on m'a éduqué. Et malheureusement parmi nous il y a des gens qui se sont compromises, des femmes qui se sont compromises et qui soit sont avec Dany Banza, donc avec Sama, et soit d'autres sont avec de l'autre côté Naba Kabila, et entre temps entre elles le courant ne passe pas. Moi j'essaie de jouer aux équilibristes, mais à quel prix? Ma santé en pâtit, maman, je le sens. J'ai déjà dit à mes enfants, j'ai dit, ah, moi je sens qu'il y a un fouet. Elle dit non maman, le dis pas. Je dis je sens. Donc, je suis entre 50 réunions, et tu es là, toujours joue aux équilibristes, mais quand tu convoques une réunion, mais il y en a...